C'est l'histoire d'un homme qui s'arrête. Il s'arrête. Et s'arrêter vraiment, c'est refuser de dire les raisons pour lesquelles on s'arrête. Et il refuse de les expliquer à un homme qui est un homme de raison. Le notaire est le narrateur. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis jamais convaincu par les mises en scène de Bartleby. Parce que les personnages burlesques du début, Dindon, Lagrange, Gingembre, etc., lorsqu'on les incarne trop, on peut les incarner en les évoquant, mais s'ils restent sur scène et qu'ils sont là, comme personnage de Goldoni, hein, ils perturbent en fait ce face-à-face, qui n'est qu'un face-à-face entre cet homme de toutes les raisons qu'est le notaire et cet homme de l'absence radicale de raison qu'est Bartleby. Et donc c'est un monologue, c'est uniquement un monologue. Si on veut être absolument réaliste, on peut imaginer que ce notaire a subi cette histoire il y a 15 ans, tu vois. Et c'est le genre de type dont toi et moi, nous rencontrant, nous disons « Ah Jean-Michel, t'es allé dîner chez le notaire machin ?» Là, il t'a parlé de son scribe. Ça l'a rendu... Il parle, il raconte ça aussi souvent que je le lis sur scène. Il le raconte à tous ses amis, il le raconte à tous les dîners. Ça le hante depuis que ça s'est passé. Et cette possession, rien que cette possession, justifie que moi, je lise ce texte jusqu'à la fin de mes jours à des gens dont certains sont totalement sidérés. Parce que ce qu'il y a de très beau, c'est que je vois le public à cause du grand. Et alors je vois la tête des gens. Et je vois l'effet que fait non pas ma lecture, mais Bartleby. Au départ, par exemple, au premier « I would prefer not to », je préférerais pas. Il se marre, parce qu'il pense que Bartleby ferme les portes du patron. Alors c'est guignol. On est du côté de Bartleby. On est content de voir le patron recevoir la porte sur le nez, rester derrière. Et puis Bartleby, continuant de ne donner d'explication à personne, ils s'aperçoivent, le public s'aperçoit qu'ils ferment toutes les portes, y compris les leurs. Et là, le visage des gens change. Le visage des gens change et leur réaction change. Les rires, par exemple, qui au début sont des rires de comédie, bien sûr, avec Dindon. Sauf votre respect, monsieur. Les gens se marrent, bien sûr. Dindon. Ou Lagrinche, pète sec, excusez-moi, mais c'est à vous d'en décider. Sa conduite est tout à fait anormale envers Dindon et moi, etc. Et puis les jeux, c'est là où le petit Gingembre qui, parlant de Bartleby, dit « Oh, moi, monsieur, je crois qu'il... » Alors, c'est des personnages de comédie, les gens rigolent. Et Melville les fait disparaître. Ça, c'est très, très beau. Il y a une phrase... Au moment où Bartleby cesse d'écrire, le notaire dit ne plus faire d'écriture, mais pour quelle raison? Et Bartleby répond, ne voyez-vous pas la raison de vous-même? Et ce ne voyez-vous pas la raison de vous-même est le point géodésique du texte. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de signes avant qu'après, dans l'adaptation que j'en ai faite. Hein, je pense d'ailleurs que dans la nouvelle de Melville, c'est à peu près le milieu du texte aussi. Et alors là, c'est très intéressant parce que, à partir de ce point géodésique, les personnages secondaires disparaissent. On n'en parle plus jusqu'à la fin. Ce n'est plus qu'un face-à-face entre le notaire et Bartleby. Bartleby prend... à ce moment-là, toute son ampleur d'obsession rigoureusement personnelle, qui est celle du notaire. Et les personnages secondaires disparaissent.